Je m'appelle Vito Scaletta. Je suis né en Sicile, en 1925. Ce gamin, c'est moi. Là, je suis avec mes parents et ma sœur Francesca, devant notre maison. J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né, sauf qu'on roulait pas sur l'or. Et puis un jour, mon père a décidé qu'on devait déménager. Quitter la Sicile. On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique. Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais, c'était sublime. Alors que franchement, j'avais jamais vu un taudis plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement. Le rêve américain. Un cauchemar, oui. Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre immigration. Il bossait comme une brute. Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool. Et puis mes parents m'ont envoyé à l'école. J'ai dû apprendre l'anglais. C'est sûr que je risquais pas de le faire dans notre quartier. C'est là que j'ai connu Joe. Vito, allez, magne-toi. Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié. Et comme on était pauvres et qu'il n'y avait pas beaucoup de travail... Merde ! On a monté notre petite affaire. Halte ! Police ! Stop ! Vito, par ici ! Lance-moi le sac ! Arrêtez ! Ou je tire ! Merde ! Ok, salopard ! Écarte les jambes ! Merde ! Je suis désolé, Vito. Ce jour-là, ça n'a pas marché comme on voulait. C'était en 1943. L'Amérique était en guerre, et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile. J'avais 18 ans, et c'était toujours mieux que la prison. Drôle de retour au pays. Opération Husky. J'étais affecté au 504e parachutiste. Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile. Mais l'avion a été touché et on l'a dissoté. On était loin derrière les lignes ennemies et on n'était plus de 4. Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants, on a décidé de renvoyer l'ascenseur. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No. Dégage ces balcons. Scaletta, par ici. Si t'as une grenade, Scaletta, c'est le moment où jamais l'utiliser. Oh, il a plus chargé. Vas-y, monte ta tête, toi. Boum. Très vite. Non, mais... Rentre là-dedans, Scaletta, ou on va tous y rester. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare!
crepite davvero d'un calò. Cacetto, un congè quando siamo arretati come cuscino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, le chef de la mafia sicilienne. Une garnison tout entière s'est rendue ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé. Déjà chapitre 2, putain. La douceur du foyer. On va arriver chez nous. Ah oui, d'accord, ouais. 2 ans plus tard. J'ai eu moins de chance en 45 quand un boche m'a eu à la jambe. Là, j'ai sacrément dégusté. Quand je suis sorti de l'hosto, j'ai eu une permission d'un mois et j'ai pu rentrer chez moi. Enfin, temporairement. Vito, ici! Hé, hey, Vito! Joe! Hé! Hey, mais c'est mon pote, ça! Comment t'as su? J'ai mes sources. Allez, viens, je te ramène. Chouette caisse? Il faut ça pour le boulot. J'ai sûrement envie de rentrer, mais avant, laisse-moi t'offrir une bière. Ça marche. Donc ouais, il y a beaucoup de cinématiques. Et fond. Voilà, on y est. Empire Bay. Ça t'a manqué? Ton avis, gros malin. J'ai pas que des bons souvenirs ici, mais je préfère ça à ma tente de soldat. Salut. Ah, salut, t'es Centani. T'es rentré vite, dis donc. T'en lâché pour bonne conduite ou quoi? Oh, j'ai été blessé il y a 2 mois, j'ai fait pas mal d'hôpital et donc ils m'ont donné une permission. Attends, ça veut dire qu'il faut que tu repartes? Ouais, tu crois quoi? La guerre est pas finie. Et tu veux pas repartir, si? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix. Attends-moi, tu bouges pas de là. Petite musique quand même là, j'espère qu'elle est pas copyright. Ouais, Giuseppe, c'est Joe. Ben dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pour moi la semaine dernière? Il s'appelle Vito Scaletta. Mais quoi? Arrête, c'est la seule meuf du bar, le mec. Merci, Joseph. D'accord, je passe plus tard. Bon, écoute-moi bien. On dirait que ta blessure est plus grave qu'on pourrait le croire. Et donc, après les docteurs, à part partir. Quoi? Oh non, tu viens de... Je te l'ai dit, j'ai le bras long. Tu recevras les papelards officiels aujourd'hui. Quand on sait où s'adresser, c'est facile. C'est juste une question de blé. Tu me fais marcher, hein? T'es sûr de ta combine? Ça pourrait me renvoyer en tôle, tu sais? Et puis je vais payer avec quoi? C'est réglé, t'inquiète. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue. Et t'en fais pas, les papiers seront impeccables. Crois-moi. Bon, bah, merci. Ça me fait plaisir. Comme un frate, t'es un peu comme mon frère. Tu vas pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant. Avant tout, je rentre chez moi. D'accord, je te dépose? Non, merci, je vais marcher un peu, voir ce qui a changé depuis que je suis parti. Comme tu veux. Salut bien ta sœur pour moi. On se retrouve après. On a plein de choses à se dire. Dire que grâce à toi, je suis démobilisé. Merci, Joe. Je t'en prie. Bon, on se voit demain. Pas du tout. Avec la petite musique de Noël, du sais. On y est. Oh, ok. Bonjour, moi. C'est moi. Vito. Vito, mon fils. Tu es rentré. J'ai eu si peur de ne jamais te revoir. Francesca et moi, on t'a attendu. Vito. Salut, petite sœur. Attends. Ça va? Assieds-toi, assieds-toi. Tu dois être mort de faim. Francesca a préparé un repas exprès pour toi. Zuppa di pollo. C'est bon pour toi. Ça sent bon, Franny. Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous. Il aurait été fier de toi, Vito. Ouais, sûrement. Vito, le bénédicité. Pardon, mamma, pardon. Benedici, signore, questo cibo che per la tua bontà stiamo per prendere. Provvedine anche a coloro che non ne hanno per Cristo nostro Signore. Amen. C'est bon, on avait fini de bouffer, là. Tu vas être épuisé, Vito. Regarde, j'ai fait ton lit. Regarde, j'ai fait ton lit. Oh, par contre, les klaxons, ça va.
Bonne nuit à toutes les deux. Pardon. Le lendemain. Pas question de m'installer ici. Il faut que je me trouve un truc. Alors, en pleine nuit, en fait, tu te lèves et tu te dis, bon, vas-y, je vais trouver autre chose. Non, mais frère, c'est pas le moment, quoi. Tu dois y retourner bientôt. En fait, je crois que j'y retourne pas. Joe a fait tout ce qu'il faut. Joe ! Tu vas encore te remettre dans les ennuis. Mama, tu préfères que je reparte me faire tirer dessus ? Non. Tu vois ? Non. Joe m'a sans doute sauvé la vie. Jure-moi que tu ne vas pas encore te mettre dans les ennuis avec ce Joe. Tu sais, ton papa a travaillé pour ce monsieur sur les quais. Papa Lardo. Il est au syndicat. Va le voir. Et travaille dur comme ton papa. Va le voir. Je t'en prie. Promets-moi que tu iras lui parler. Ok, maman, ok, c'est promis. Grazie a Dio. Et les sirènes, les klaxons, et on s'y va. Allez, adios, amigos. Ok, y'a pas de transition. J'en ai rien à foutre. Je suis désolée. C'est pas mon problème. Si vous devez tout vendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Vito! Mêle-toi de tes affaires, abruti. Ah ouais? Allez, boum, c'est un peu ma sœur, quoi. Oh là là! Ah, et puis merde! Ouais, c'est ça, fous le camp! Et vite! Vous allez le regretter! Ouais, tous les deux! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, Vito. On ne voulait pas t'embêter avec ça. M'embêter avec quoi? Raconte-moi ce qui se passe, Franny! Juste avant sa mort, papa a emprunté de l'argent, une grosse somme chez un usurier. Il comptait trouver un meilleur travail pour rembourser. On l'a appris juste après ton départ pour la guerre. Combien? $2,000. Quoi? Merde. Le pire, c'est que ce type veut toute la somme avant la fin de la semaine. Sinon, il rajoutera les intérêts. Je vais jamais pouvoir gagner ça en bossant sur les quais. C'est qui ce gars? Je sais pas, Mama veut pas le dire. Mais c'est rien, Vito. On va trouver un moyen. T'en fais pas. Je vais m'en occuper. Ça va aller. Merci, Vito. Fais bien attention à toi. Il me faut $2,000 et vite. Joe pourra peut-être m'aider. Ouais, voler des bijouteries et puis te foutre dans la merde. Quoi. Ok, on arrive. Pardon, madame. Madame. Vous savez où c'est chez Joe Barbaro? Barbaro, c'est au premier, à droite de l'escalier. Et dites-lui que je ne veux plus de bazar comme la nuit dernière. Sinon, il peut chercher un autre appartement. Ah ouais, d'accord. C'est vachement ça le premier pour toi. Non, pas du tout. Entre, il faut qu'on parle. Oh, on aura tout. Mais quoi? J'ai ramassé ses sourires en revenant du bar. On t'attendait. C'est bon, ça suffit. Allez, pousse les filles, j'ai du boulot. On va passer demain, ok? On va où on s'est arrêté. Allez, go. Bah quoi, Joey? Pourquoi on s'arrête? Puis on est fou, Joey? Non, pas cette fois, Jerry. Je vais te dire. Moi et Vito, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu. On a plein de trucs à raconter. Les choses roulent pour toi, mon Joey. Pas mal. Moi, je te le dis, la petite Chicano, c'est une sacrée salope. Alors, ça a été chez toi? Bien. Ma mère était pas ravie quand j'ai parlé de toi. Tu la connais, elle veut que je trouve un boulot honnête. Et tu comptes chercher où? Je sais pas, mais jamais je ferai la même connerie que mon paternel. Je dois rembourser ses dettes, puis me remettre en selle, trouver un appart. Faut que je me fasse un gros paquet de blé, c'est pas à l'usine que je vais y arriver. Eh, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. On va te trouver un boulot qui rapporte sans te bousiller la santé, d'accord? Je dis pas non, ouais. Pour l'heure, je touche les $20 que l'État me verse toutes les semaines. Je connais des tas de gens qui payent bien pour des boulots risqués. Je vais bien dénicher un truc pour mon meilleur pote. Bosser à la chaîne, c'est bon pour les tocards. Tu l'as dit. Bon, pour commencer, on va passer chez Giuseppe. Comme ça, on récupérera ton certificat de démobilisation. Allez. Giuseppe. Ok, suivez Joe jusqu'à son garage. Conduire, Vito? Les rues sont verglacées et t'as jamais conduit une caisse? Joe, quand j'étais là-bas, mon job, c'était de conduire. Ouais, mais c'est pas un char d'assaut, Vito. Ce petit bijou m'a coûté un bras. Oh, regarde-moi cette beauté. Oh là là, une Jefferson 42. Une caisse aussi chouette. Ce serait du gâchis de casser une vitre.
Vais chercher des rossignols chez Giuseppe. Hey, Giuseppe, salut. Je t'amène un nouveau client. C'est un gars sûr, hein? Ouais, monsieur, sûr de sûr. Voici Vito, mon plus vieux pote. Voilà Giuseppe, l'as de la cambriole d'Empire Bay. C'est fini, tout ça. Comment vas-tu? C'est pour toi, les papiers? Exactement. Me dis pas qu'ils sont déjà prêts. J'en ai sacrément bavé, mais c'est fini. Bah, merci. Tu garantis que ça va marcher? L'armée viendra plus jamais te chercher des poux, crois-moi. Alors, c'est pas le meilleur? Voilà le pognon. Prends tes papiers, Vito. Au calme. Allez, c'est parti. On a pris les papiers ou pas, là? Il nous faut aussi des rossignols. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui les payes. Ça va, ça te dérange pas d'être une grosse merde, comme. Allez, acheter. C'est bon. On a acheté. Merci. Laissez ça tout de suite. Tiens, sur cette serrure. Enfonce la tige dans la serrure et relève toutes les goupilles. Ah! Alors là, avec la pince, tu les retiens l'une après l'autre. D'accord. Ok, bon, c'est à bientôt, simple. Giuseppe. Facile, revoir, hein? Vito. T'inquiète, c'est un coup à prendre. Je le fais chaque fois que j'oublie mes clés dans la bagnole. T'as toujours envie de piquer cette caisse? Si j'ai envie, évidemment. Bon, alors à toi de jouer. Ok. Ok. Ok, nice, c'est bon. On se trouve un atelier de carrosserie. C'est eux qui vont nous aider. Eh, ça va coûter cher, cette affaire. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. N'importe quel atelier fera l'affaire, je connais le proprio. Garde-toi devant le portail du garage. Je vous souhaite le bonjour. Bonsoir. Ok, c'est bon. Bon, maintenant, yeah. Il faut te présenter à Mike Broski. Il aura sans doute du boulot pour toi. D'accord, c'est il crèche où? Il a une casse auto à Riverside. Tu peux pas la rater. Mikey, alors, ça roule? Putain, Mike, merde, lave-toi les mains de temps en temps. Va falloir que je prenne un bain. Je bosse, moi, et quand tu bosses, tu te salis, tu vois? Et puis, je viens juste de les essuyer. Avec quoi? Le putain de torchon qui te sert à récurer tes shots? Non, mais tu te fous de ma gueule? Ça va, merde. Tu bosses pour les services d'hygiène ou t'es là pour causer business? Le business, bien sûr. Je te présente mon pote Vito. Vito, c'est Mike Broski. Lui sert pas la pince, ça coûte beaucoup trop cher, en savon. Très heureux, Vito. Vito et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Il rentre d'Europe, il a besoin de fraîche. Alors, j'ai pensé à ton problème de fournisseur. T'en fais pas, il est net. Ok. Alors, Joe, t'as causé de ma diversification. Ouais. Bon, moi, je fais dans la caisse lambda, rien d'exotique. T'as ta part sur chaque caisse. Bon, je suis limité, question place. Et ramène pas les flics ici, ok? Si jamais ils se pointent, j'ai jamais entendu parler de toi, pigé? Pigé. Putain de merde, Mike! T'as foutu tes sales pattes sur mon manteau! Il m'a coûté une fortune, ce truc! Arrête un peu avec mes pattes ou je te les fourre dans le cul! Tu sais ce que ça coûte, le pressing, du con? En plus, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir attraper ça. T'as fini de chialer? Vito, je t'explique. Il me faut un coupé Walter aujourd'hui. J'ai des acheteurs pour des pièces détachées, mais j'ai pas la caisse. C'est parce que tu sais pas chercher. Chaque fois que je traverse Hunters, j'en vois une garée devant un bar. Et je crois que le rad s'appelle le Lone Star. Ouais, mais c'est dans un quartier noir. On va me repérer tout de suite. Bon, écoute, je t'en donne 350 billets. Ça compense les risques. 400. D'accord, ça marche. Allez, Vito, viens, on est parti, hein, diable. Et toi, je t'enverrai la note du pressing pour mon manteau. Et moi, je vais changer d'adresse, sale radin. Ok, alors, considère ça comme une période d'essai. Je serai toi, je m'appliquerai, d'accord? Tiens, Vito, prends ça. Hé, joli! Juste au cas où. Ouais, juste au cas où, Mike, attention. Ça te dérange pas que j'essaie ce truc ici? Oh, vas-y, amuse-toi. Fais-toi plaisir. Tire sur la vieille épave, là-bas. Tu te débrouilles bien. Et là ? Hey, Vito, essaie de toucher le réservoir d'essence. Oh, j'avais dû oublier de l'essence. Ça me rappelle une blague sur les Polacks, mais passons. Ouais, ça me rappelle que je t'emmerde. Allez, assez tiré comme ça. On a du pain sur la planche. C'est la caisse couleur crème, là-bas. Fais gaffe. Tu fais fissa et tu t'arraches en vitesse. Et casse une vitre s'il le faut et fonce. Moi, je t'attends chez Mike. Et si jamais j'ai un problème ? Eh ben, tu te débrouilles. Écoute, c'est un genre de test. Si tu rates, je crois qu'ils embauchent à l'usine. Bon, j'ai pigé. Bonne chance. On se rejoint chez Mike. Hey, qu'est-ce que tu fous ici, fils de pute? Oh, merde. Oh. Oh. Il est mort. Hey, qu'est-ce que tu prends?
courant, enfoiré! T'as mis la torte. Ça, c'est pour ta mère. Oh, toi, alors toi, tu parles de ma mère. T'es mort. C'est tout? Bon, c'est tout simple. Hey, mission accomplie. Pas de problème? Non, aucun. À part que la bagnole appartenait à une bande de noirs qui était bien décidée à me faire la peau. Ça, c'est sûrement les Bombers. Hunters, c'est chez eux. Mais t'as rien à craindre de ces mecs. C'est un ramassis de frameurs. Qui causent, qui volent et qui fument de la dope. Voyons ce que ça donne. Ah, joli. Comme neuf. Propre. Ces minables ont pas les moyens. Pour une caisse comme ça, ils ont dû la voler. C'est une sacrée caisse. Combien je t'avais promis pour ce petit boulot? 600. Oh, il me plaît, ton pote Joe. Là, t'es $400. Reviens me voir, ok? J'aurai du boulot pour Compte toi. Compte sur moi, Mike. À plus tard, Mike. On passe te voir d'ici peu. Ok, les gars. À la prochaine. Voilà les 300 billets. J'ai pris ma commission cette fois. Dorénavant, t'auras plus besoin de moi. D'accord. Merci, Joe. Allez, on rentre. Je suis crevé, moi. Eh, hey, y'a un endroit sûr où on peut se garer dans le coin? Je veux pas laisser ma caisse dans la rue. Ouais, t'as qu'à garer ta caisse près de la mienne, dans le parking. Les rues sont pleines de voleurs de nos jours. Ouais, ce quartier, c'est plus ce que c'était, c'est ça? Ah, en fait, quand tu klaxonnes, eh ben, tu gardes ta voiture. Ça serait bien dans la vraie vie, ça. On va faire un petit somme. Chapitre 3. Emineta. Appartement de Joe. 10 février 1945. Ah ouais. Lupanar Barbaro, Vito à l'appareil. Vito, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison hier? J'étais morte d'inquiétude. Ma main? Je savais pas que t'avais le numéro de Joe. Et d'où tu téléphones? Alors, tu as parlé à ce monsieur Papalardo? Tu as trouvé du travail? Ouais, il m'a dit de passer le voir dans la journée. J'espère qu'il aura du travail pour moi. Bien, bien, Vito. Au revoir, mio bambino. Au revoir, maman. Ah, il s'est pas du tout moi, tiens. Yes. Tiens! Oh! Bonjour. Et ben alors, rien de bien à la radio? C'est pas vos oignons. Ça va pas, oui, d'écouter chez les gens, là. Tu connais pas le respect, toi, hein? Oh! Ferme la porte, on caille! Qu'est-ce que tu veux? Je cherche monsieur Papalardo. Ah ouais? Pourquoi? Je m'appelle Vito Scaletta. Mon père travaillait pour lui et je cherche du boulot, alors je viens le voir. Ouais, t'as frappé à la bonne porte, petit. Federico Papalardo, à ton service. Tu peux m'appeler Derek. Je me souviens de ton père. Un type bien, mais un sacré poivreau. Et qu'est-ce qui devient, là? Il est mort. Oh! Ouais. On doit tous y passer un jour. Hein, Steve? C'est sûr, Derek. Donc tu veux bosser, hein? Tu tombes à pic. On a une cargaison à décharger. Steve va te montrer où c'est. Allez, oust, j'aime pas manger froid. Suis-moi. Y a un point rouge sur la carte. Charge les caisses dans ce camion. Ça te rapportera $10. Quoi? Il en manque une. Ou s'il y en a une de cassée à la fin, t'es pas payé. Mais votre allez, au boulot et traîne pas. Et toi, oh putain, je vais t'enculer, mais... Le mec rouge, il est là-bas, là. Ok, bon, on va attaquer ça. La 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 la... Ouais. C'est ça, en fait, là? C'est aussi lent? Ah. La porte est ouverte, vous pouvez partir si vous en avez marre. Hé, hey, t'as fini? Ça, j'ai fini. Vous pouvez garder vos billets. J'ai besoin d'un boulot, mais là, c'est de l'esclavage. Ouais, ouais, fous-moi le camp d'ici. Que je te revois pas traîner dans le coin. Ça risque pas. Je peux me faire 100 fois plus de fric en bossant pour Barbaro. Quoi? T'as dit Barbaro? Joe Barbaro? Ouais, et alors? Merde, jamais vu des potes de Joe porter des caisses pour un billet de 10. Qu'est-ce qui t'a pris? Viens avec moi.
Quoi encore ? Le travail manuel, c'est pas son truc. Ah ouais ? Et alors ? Il dit qu'il bosse avec Joe Barbaro. Mon cul. Les types qui bossent avec lui portent pas de caisse. Va falloir t'expliquer un peu, là, mon gars. C'est quoi l'histoire ? C'est ma mère qui a insisté pour que je vous demande un boulot honnête, mais il me faut pas mal de pognon. Ça va pas marcher. Les femmes. Toutes les mêmes, pas vrai, Steve ? C'est sûr, Derek. Elle veut pas que tu traînes avec Joe, pas vrai ? Ma mère, c'était les mêmes salades, et regarde ce que je suis devenu. Patron du syndicat. Maintenant, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps sur les quais. Comment va Joe ? Je crois qu'il va bien. Comment tu l'as connu ? Oh, on a grandi dans le même quartier. Moi, je viens juste de rentrer d'Europe et il m'aide à me retourner le temps que je me pose. Écoute, il faut que tu comprennes que dans ma situation, je dois être prudent. Bien sûr. Alors ça te dérange pas si je téléphone à Joe ? Non, allez-y. J'ai foutu son numéro, moi. Ah, et voilà. Je le sens pas du tout, lui. Il est peut-être pas là. Ça se présente mal. Ouais, Joe, c'est Derek. Écoute, j'ai un type ici. C'est quoi ton nom déjà ? Vito. Vito. Il cherche un boulot et il dit que c'est un ami à toi. Un bon ami. Je voudrais que tu me confirmes tout ça. Eh ben, un héros de la guerre et tout. Bon, je te remercie. À la prochaine. Désolé, mon gars, je devais vérifier. Joe dit que tu rentres juste d'Italie. Tu dois savoir te débrouiller, non ? Si tu veux te faire un peu d'argent, j'ai ce qu'il te faut. Mais il mange tout le temps, lui ! Sur les quais, les gars sont supposés payer un forfait mensuel au coiffeur, mais la moitié donne rien. J'ai besoin qu'on les motive un peu. 10 dollars par gars. Et s'ils ont pas besoin de coiffeur ? Ah, dans ce cas, à toi de te montrer convaincant. Je vois. Et si quelqu'un fait des histoires ? Ben, tu lui casses la gueule. Disons que tu lui donnes une bonne leçon, mais qu'il n'empêche pas de travailler. Pigé ? C'est pour ça que Steve peut pas faire ça, hein, Steve ? Sûr, boss. Rapporte-moi au moins 150 billets et je t'en refile 50. Tu te balades, tu respires le bon air, tu fais la causette. De l'argent facile, quoi. Qu'est-ce que t'en dis ? Je prends. C'est mieux que de se taper des caisses. Bon, bah vas-y. Je viens pour le forfait du coiffeur. Hé, hey, à qui tu crois que t'as affaire, là ? À un gars qui va payer ce qu'il doit ou qui va se faire tabasser. Pourquoi ? Ça te plaît pas ? C'est toi qui me plaît pas. Alors dégage avant que je te botte le cul. C'est tout ? Ok, d'accord. Tiens, prends ton sale pognon. Tu vois, quand on discute calmement. Calmement. Lol. Salut. À quoi ? Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Ah ouais, ça m'était sorti de la tête. La prochaine fois, paie à temps. Ok ? Merci. Le mec à le poing rouge là-bas. Ouais, et lui, tu vois. Salut. Derek aimerait que tu règles le forfait du coiffeur. Il a pas de cheveux. Écoute, petit con, je suis pas d'humeur. Alors débarrasse le plancher avant que je me fâche. Ah, désolé, l'ami. Derek veut son fric. Il peut se le foutre au cul. Il va me faire quoi ? Me buter ? Tiens, c'est une idée, ça ? Essaye un peu pour voir, fils de pute ! Alors, relève-toi ! Bon bah voilà. T'as pas voulu payer ? Y'a quelqu'un d'autre ? À qui ça plaît pas de payer ce putain de coiffeur ? Voilà le pognon, patron. Beau boulot. Voilà ta part. J'ai vu t'occuper de Bill. Impressionnant. Steve avait failli se faire massacrer quand il avait essayé. Pas vrai, Steve ? Sûr, Derek. Voilà une prime pour ce con de Bill. Merci. Ce type nous aura vraiment fait chier. Allez, reste pas là, petit. J'ai des affaires qui peuvent pas attendre. Et surtout, salue ta mère de ma part. Dis-lui que je t'ai engagé comme mon nouvel assistant. Ouais,
D'accord. À plus tard. Hé, hey Vito, j'ai failli oublier. Joe a appelé. Il veut que tu le retrouves chez Freddy. Vas-y, ça marche. On va aller voir Freddy. Alors, ton ami du temps. Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te souviens les affranchis qu'on voyait quand on était gosse? Ouais, pourquoi? Le type qu'on va voir, eh ben c'en est un. Il s'appelle Henri Tomasino. Et je crois qu'il a un gros truc pour nous. Non, c'est vrai? Ouais. Je finis les boulots à la petite semaine. Il est temps de se faire des couilles en or. Tiens, le voilà. Surtout, pas de gaffe. Hé, hey, Henri, comment ça va? Salut, Joe. C'est lui, le gars? Ouais, voilà Vito, un très vieil ami. Bonjour, monsieur Tomasino. Il est réglo? Absolument, Henri. Je lui confierai ma vie. Ok, écoute, j'ai un boulot pour toi. Et bien payé. C'est des coupons. Avec la pénurie, les coupons d'essence valent une fortune. Et où on en trouve? Dans le bureau chargé du contrôle des prix. Mais, c'est une agence gouvernementale, c'est pas un peu risqué? Quoi? Pas des fois, c'est ça? Non, 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 je veux juste savoir comment on va s'y prendre. T'en fais pas, c'est du tout cuit. Les coupons sont dans le coffre la nuit, mais il a sûrement les clés sur place. Vous êtes bien renseigné? Ouais, un de nos gars. Sa sœur y travaille. Elle nous aidera? Tu lui demanderas. Elle s'appelle Maria Milo. Voilà l'adresse, vas-y de ma part. D'accord, et pour le coffre, si on trouve pas les clés? C'est ton problème. Et pour la paye? Je te donnerai 600 billets en échange de 10 000 gallons en coupons. Ok, on marche. Non, 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 Vito doit se débrouiller seul. J'ai un autre boulot pour toi, Joe. Alors, t'en dis quoi, Vito? Ouais, ça me va. Oublie pas d'apporter ton flingue. On sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux prévenir que guérir, capiche? Hé, c'est pas un braquage d'épicerie. Je veux un boulot nickel. Si tu déclenches l'alarme, tu touches qu'un tiers de ta part, capiche? Ouais, entendu. J'ai pigé. Ok, après le coup, tu repasses ici, on fait l'échange. D'accord. Bonne chance, Vito. Yeah, ça va être ton dac, ça. C'est à quel sujet? Bonjour, madame. C'est monsieur Tomasino qui m'envoie. Il dit que vous pouvez m'aider à régler un petit problème avec le bureau du contrôle des prix. Ah, je vois. Quel est votre problème? Je veux y entrer ce soir. Bon, écoutez. Il se trouve que ma sœur est à l'hôpital. Vous n'avez qu'à m'y amener et je vous dirai comment faire sur le chemin. C'est juste en face du Bicop. Ça ne vous retardera même pas. Bien, ça me va. Vous cherchez le coffre, j'imagine. Ouais, comment vous le savez? Et l'intuition. C'est au dernier étage, comme le bureau du directeur où sont les clés. Donc, j'entre par une fenêtre de derrière, puis je cherche le bureau du directeur à l'étage. Pour trouver la clé. C'est ça. Et faites attention, il y a des gardes la nuit, ne vous faites pas repérer. Oh. Super, moi j'aime bien tout ce qui est intrusion. Le bureau est de l'autre côté de la rue. Ok, et merci bien, petit. Merci, Maria. À bientôt. J'aime pas tout ce qui est infiltration, je déteste ça. Ah, directeur. Ok. J'ai pris les clés. C'est bon, voilà la clé. Au coffre maintenant. Mais non. Je peux pas faire autrement en fait. Pourquoi ça a sonné? Entendu chez Freddy. Je pouvais pas faire autrement si. Alors, ça s'est bien passé? Ça a un peu dérapé. J'ai rien pu faire pour l'éviter. On s'était mis d'accord. Tu te souviens? Le moindre accroc, et tu touches qu'un tiers du fric. Voyons voir ça. Je peux pas faire autrement en fait. Merde. L'alarme. Tu m'étonnes qu'il y a un problème. Les coupons que t'as pris ont une date d'expiration. Et cette date, c'est demain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux rien en tirer. Sauf si tu les distribues aux stations-service avant minuit. Ils pourront les tamponner pour remboursement. Essaie d'en refourguer à toutes les stations-service. Et avant minuit, ou alors on l'a dans l'os. Vends-les dans les temps où tu touches que dalle. Attendez, c'était pas ça notre accord. On n'a jamais parlé de date d'expiration. Les aléas du métier. Bon, règle-moi ça. Je te le revaudrai, crois-moi. Allez, vas-y. Plus vite tu les refourgues, plus t'auras de pognon. Ok, bon. On fait le boulot de merde, en fait. Salut. J'ai ces coupons d'essence en trop.
Je peux vous faire un prix, si ça vous dit. Allez, entendu. Hey, j'ai des coupons d'essence en trop, ça vous dit? Ouais, ça m'intéresse. Parfait, voilà. Envoyez l'argent. Bien sûr, tenez. Ok, c'est bon pour moi. Gardez ça pour vous, c'est tout. Parfait, c'était le dernier. C'est bon. Au moins, je me suis fait un peu de blé. Bon, je rentre chez Joe. Oh la vache! Waouh! Waouh! Oh putain! Je pense que là, ça va être le chapitre. Chapitre 4. Ouais, chapitre 4. Bon, les amis, on va se laisser là pour l'épisode. Pour cet épisode. Franchement, on a fait 3 chapitres, c'est déjà pas mal. J'espère quand même que ça vous aura plu. C'est sur son Mafia 2. Voilà, on va regarder vite fait. Oh merde! Eh ben, Joe sait écrire maintenant. Il y a du nouveau pour nous. Un très gros truc. Passe chez Freddy ce soir. Viens avec un flingue et des rossignols. Yeah, on va savoir ça dans le prochain épisode, les amis. Je sais pas comment ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit abonne-toi. Et like la vidéo si t'as aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, sur Twitter, Facebook, Instagram. Voilà, je parle hyper vite. Voilà, c'est ce qu'on m'a fait de Remastered. Voilà, je vous dis à la prochaine sur 23. Bisous, salut.